En tout cas, nous avons dans le Kumungala, c'est Peli Makasi. Enfin, aujourd'hui, Albert Lima a Kouéi. Hi guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner na Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Mais papa ya benga kiso kina goma wana. Ya zolo babokonzi makambo zo ebele bele. Papa na exactement, il voulait dire quoi? Comment est-ce que maman panga pour Dieu continuer à s'entêter et à trahir le pays à ce stade-là. Bandeko Oyoza Africa TV, comment s'abonner? Masolo est vendu déjà. Attends, Masolo nous c'est ça caca. Donc abonnement nous ouais, Africa TV, Nathan. What's up guys? What's up guys? This is Africa TV Network. That exists to that effect. Let's go now to Zambian partner. Pour les amis, hein. Moukema, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à nos deux chaînes YouTube, Africa TV Network et les studios 24-3. Sous à cette plateforme-là, nous apportons des interactions de qualité. Beau s'abonner, beau cliquer cloche de notification comme ça, dès que je suis en ligne, vous en mesure, il y a comme mon en bas vidéo. Pour les amis, hein. À toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue à la des USA. Émission Yanga Mbongo de Rabino Blaise Mka, Blaise Mukenge. Alors, de manière spéciale, il y a une tension terrible dans la province du Katanga, Katanga Kamikuba. Comme vous savez, il y avait des crépitements des balles dès le matin, mais la situation semble être contrôlée. Alors, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Congo profond, dans le Katanga. Est-ce une résurgence de la violence due au fait qu'il y a une pression d'une arrestation imminente ou interpellation imminente du général John Numbi, qui est un Katangais, ou c'est seulement un chantage pour saper l'action du chef de l'État? Nous allons essayer de comprendre dans ce numéro pourquoi tous ces désordres ici au Katanga, pourquoi attaque, incursion isolée, oyo ekofu tate. Nous ne comprenons pas comment est-ce que les Congolais peuvent être si stupides à ce point. Bon, c'est le cas mouvement Mouko pour Bamouamino. Parce qu'ils ont fait des tracks. C'est pas un événement qui est tombé de manière isolée. Parce qu'il y a eu des menaces déjà dans les réseaux sociaux. Les gens parlaient d'attaquer la journée du 14, qui est donc dimanche ici. Quand je vous parle, il est dimanche à Lubumbashi, les 14. Les 14, oui, il est 14 déjà, ça c'est déjà après minuit. Alors, il est déjà sur les 14 déjà, mais nous avons une différence de 7 à 8 heures de temps avec Lubumbashi. Mais nous allons essayer de comprendre. Il y a eu d'abord ces voix qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui n'était pas à négliger. Les amis ont parlé, les voix sont circulées. Pour nous annoncer qu'il y avait une alerte. Et j'ai reçu personnellement plusieurs appels de mes compatriotes qui sont à Lubumbashi. Comprenez un peu ces voix pour qu'on comprenne un peu la quintessence de la chose. Te comprendre, Makamu Ndenge Bandaki. C'est possible parce que. Mais on a une petite information, un petit frère, ou le Gomunyumba, il est général. Mais l'information, après, il est publié tout. Alors, il y a un peu on ne peut pas m'approcher. Mais au moins que Tchakula Wapi Munyumba. Après avoir continué le message, on a bien, on a bien, c'est ma. Mon cher, un message, il bébé au sérieux. Comme quand on a 1000 francs, vous êtes à Bunga, vous êtes à Mnumba, vous êtes à Kala, vous êtes à Mnumba, Tunchungvi, tout, ma bintou, la sienne, tu n'es pas à dire. On a eu parce que, à tout yu, Léo, ou bien qu'est-ce que je suis à qui. L'information est que, dans notre table, le beau Tekatangé, ben, on a eu l'information. Je suis au Goulanda. Et puis on a dit que nous avons déterminé. Donc, c'est un groupe de gens qui ont propagé le message. Ils disent qu'ils sont déterminés vraiment, cette fois, à en découdre une fois pour toutes avec les policiers de Kinshasa. Je ne comprends pas. Est-ce le Katanga qui se rebelle encore dans ses anciens amours des caprices pour peut-être marchander un poste important ou c'est un élément isolé? Ces gens-là, Balobi,
Bandai d'abord on a Kimbembe. Kimbembe c'est en plein Lubumbashi comme si vous venez de l'Ikasi. Donc ce n'est pas rébellion où ils ont la base arrière, un pays tel l'Angola ou le Zambie. C'est quelque chose qui est venu, il y a l'Ibanda. Alors on dit des coups de feu sont entendus depuis l'aube du dimanche 14 février 2021. Plusieurs sources, en tout cas, indiquent que Ezaba Mai Mai Batuya Gédéon Kyungu. Voilà, c'est ce jour des informations qui tombent. Tentative d'incursion à Lubumbashi, l'ordre s'affronte avec les insurgés. Plusieurs, blablabla. C'est la même information qui est dans toutes les sources. Ce que Bobo Sende a Bosali à recherche de ma Twitter, c'est la même information qui est en train de tomber. On dit des tirs de l'arme lourde sont entendus dans plusieurs coins de la ville de Lubumbashi. Parce que, à partir du centre-ville, parce que on ne veut pas avoir de problème avec YouTube. On a déjà un problème avec YouTube, on ne veut pas avoir un deuxième. Alors, Wana Isa, la ville de Lubumbashi, quand les forces républicaines sont entrées, voyez un peu, pour chercher de contrôler la situation. Oh, je pense bien, ils ont fait dans la carousel, côté de Carrefour, quand ils sont en train d'entrer, hein, on va au Kende. Nous avons tiré nos riz, Wana Babal. Ça, c'est en plein Lubumbashi. Ça, c'est en plein Lubumbashi. L'information est en train de tomber au fur et à mesure qu'on a réalisé l'émission. Les news sont en train de tomber, les vidéos tombent, les voices. Il y a beaucoup de choses. Mais je vais entrer en contact avec quelques amis à Lubumbashi pour qu'ils voient cette situation. J'ai un reporter qui est en stand-by. Lui, en tout cas, il veut entrer dans la zone où les affrontements sont en train d'avoir lieu. En tout cas, ce sont des informations ici. Et puis, il y a. Signe de l'échange, Lubumbashi va lyncher Moutou, va tomber Moutou. Alors, image de la Rochango, parce qu'on ne montre pas la personne, j'ai juste les feux. Si ma y a Moutou, il y a Moutou, ça va. Donc, Bratakatanga, c'est un phénomène de l'Engelaka, ba jeune baye, na ba kisi, na loketu, ba rengi bango, on leur abat froidement comme ça, puis on leur brûle comme ça. Parce que combien de fois il faut ba jeune ba koufaka, ba villageois na bisona, y'a Kataga Kabiku Baba Koufaka. C'est pas normal. Les politiciens congolais doivent être sérieux. Ils ont voulu contrôler Kan Kimbembe, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. De la capitale que préfère en tout cas, bah indépendantiste Wana, Bazako Tchamo Boulou, vous n'avez pas d'idée. Alors, les Bakataratanga de Gédéon Kyungu Mutanda dit Tchinja Tchinja, Nde Baza à manœuvre. En tout cas, bah, on va réclamer au bah. Ils ont réclamé qu'il y aura des attaques dans Bango. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont caché. Ils ont dit de manière claire que c'est nous, les gens de Gédéon Kyungu. Alors, après quelques temps, tu as là-bas. Barangi Batu, Babeti Bango, certains sont blessés. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il faudrait Katanga Kamikuba, Ezraka Pesanteur? Chaque fois que le pays s'est développé, Katanga sont toujours ciment. On va chercher les Katangé qu'on va envoyer pour ça, Mobulu, Babunda, Basala. Hein? Batabaita, Bafouni Fujo. Ce n'est pas important. C'est pas important. Alors, je vais vous montrer un élément où les forces républicaines cotent pour traquer les 10 Bakataratanga. Là, c'est l'armée régulière qui est en train d'entrer pour contrôler la situation. Alors, selon plusieurs sources, ils allaient qui tirent. Il y a armée lourde, tirent nourrie. Alors, on se demande, et c'est. Et c'est pas l'arrestation imminente du général John Numbi par l'affaire au Floribert Chebeya. Oh, le monde entier, en tant que créneau, ils ont décidé de s'en découdre. C'est un élément de chantage en quelque sorte. Je ne sais pas si je pense pas bien, mais Ngaï Kanisananga Ezabongo. Ezabongo, honorable Jean Moutala, voilà ce qui se passe au Katanga. Situation Yangouana. Alors, après quelques temps, tu vois que les membres, il y a. Militaires congolais, comment est-ce qu'ils ont maîtrisé la situation? Avant, on a été en contact avec un reporter Nabiso na Kinshasa, mais je vais appeler 2-3 amis pour auto comprendre les choses sur le terrain. Général Yohana, je vais contourner Bango Tundako Numbi. Donc, je vais contourner John Numbi, je vais contrôler Ango. C'est compliqué quand les gens Numbi ont commencé à dénoncer comme ça, pour indexer eux. Personnellement, c'est non, ça n'augure pas du général, bien. Ça va créer des conflits. Bon, hein, c'est pas bon pour notre pays. Oui, oui, on a Kimbia pour qu'on attend la bunduki. Et pas la chauffe à Gumbel. Ah, balatoka kuli. Bote, fle valenda kula. Wako la kintu kule valenda ngari. Balakwa boto.
La ville est calme, calme. Sur terrain dit, c'est quoi ça? Steven Doua. Général Yohana, je vais contourner le monde. Je vais contourner le monde. Je vais contourner le. La ville est calme. Général Azo Matai Moko. Boa wananza kutukue huko yule. Asa huyu yeye anakimbia paka hata na bunduki. Eh bana chofai kumbele. Ah, bana toka kuli. Bote 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 vile walienda kula wako. La ville est calme, calme. Sur terrain dit, c'est quoi ça? Steven Doua. Général Yohana, je vais contourner le monde. Quelqu'un en direct de Lubumbashi. Quelle est la situation maintenant sur le terrain après cette incursion de Bakataratan? Qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain pendant ce temps? Oui, maintenant, bah, présentement, il y a du calme chez Lubumbashi, il y a du calme. Et tout ça se passe maintenant. Je vois que le mouvement commence à reprendre petit à petit. Alors, à la base, avec les autres qui aillent à Kimbembe, j'ai aussi appris qu'aux côtés de. Des lits de golf, il y a eu des attaques. Comment est-ce que vous pensez que ces gens peuvent avoir la facilité d'entrer si facilement comme ça? Bon, du côté, je n'ai pas la précision concernant le problème du côté lits de golf, mais c'est que c'est au moins du côté Carrefour, Carrefour, rond-point Carrefour, et ainsi que au côté de dépôt de armes, de capteurs industriels. Bon, maintenant, j'ai vu des gens qu'on a dilapidés, on a brûlés. Les images sont en train de circuler sur WhatsApp. On a brûlé des gens vifs. Est-ce que tu me confirmes que ce sont les Bakataratan qu'on a brûlés? Bon, jusque là, je n'ai pas encore arrivé sur place. À un moment à l'autre, je vais vous donner des informations exactes et sûres. Dans un peu de temps, je crois dans 40 minutes, je serai sur place et je vais vous... Vous envoyez les images claires et tout. Yeah, merci beaucoup. Ça, c'est un compatriote qui est à Lubumbashi. Il va nous faire les vraies images de l'événement de Bakataratan. Maintenant, selon toi, quelle est la motivation derrière cette attaque-là? Parce que l'attaque ici n'est pas un fait isolé. Il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux déjà, sur WhatsApp, que dimanche, préparez-vous, faites une provision. Mose Mabunga, Mose Manjumvi, Mofoni Bébé, parce que ça va être très grave cette fois-ci. Et encore, il y a eu des tirs d'armes lourdes, je veux dire. Quelle est la motivation, selon toi, de ces gens, de faire ce genre d'incursion? Bon, sur les réseaux sociaux, les gens parlent de John Mandy, les gens parlent de n'importe quoi, de Bakataratan, jusque là, il n'y a pas la précision de l'événement qui vient de se passer ici. En tant que journaliste, je ne peux pas vous définir les causes présentement. De moi, juste 40 minutes, je suis sur place et je vais vous appeler en direct. C'est bon. Vérifiez-moi aussi l'information selon laquelle la maison de Dieu Numbi serait encerclée. Parce que j'ai vu des images où les gens sont en train de parler qu'il y a des gens qui sont autour de la maison de Dieu Numbi. De toute façon, comment se porte Kabila Akashimata là où il est? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore arrivé là-bas parce que je n'avais pas de tenue, je n'avais pas d'équipement pour arriver sur place. Je crois que dès que je suis au niveau de chez Dieu Numbi, je vais prendre les images en direct.
Merci beaucoup, compatriotes. On attend vos images qui nous seront très importantes pour nos amis qui puissent comprendre notre plateforme. Nous venons avec l'information en temps réel. Alors, là, je vais rappeler Jean-Jacques, mon frère qui m'appelait depuis Lubumbashi. Je vais devoir le rappeler pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi, mes amis. pour cet agrément, ok, on va l'avoir maintenant. Je pense qu'on va l'avoir maintenant. Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de la carte? C'est vrai, il y a des questions. Alors, nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Alors, nous avons. Oui, j'ai monsieur en direct, monsieur, un compatriote, un témoin oculaire. Il est à Lubumbashi. Quelle est la situation d'emblée pendant ce temps? Bon, pendant ce temps, quand même, de ce côté que je suis, ça va. Ok. Mais du côté golfe, du côté quartier industriel, ça. Ah, donc ça continue à tirer de ce côté-là. Ça persiste encore. Ça continue à tirer. Oui, on tire. Oui, les balles, ça continue, à tirer des balles. Bon, mon ami, les gens ont parlé des armes lourdes. Toi, tu as vécu à Lubumbashi pendant un temps. Tu connais comment est-ce que les Bretons attaquent. Lors de l'Union des attaques, on avait parlé. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon d'opérer de quelques mois passés et maintenant? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose? Vraiment, je vous entends très mal. Je ne sais pas si la connexion est bien. Ici, chez nous, ça ne va pas. Okay. Je suis en train de brûler la connexion pour que les informations ne passent pas. Tu peux me rappeler à un certain moment, on peut parler, parce qu'en ce moment que je t'appelle, la connexion ne passe pas trop bien. Je t'entends très mal, très mal. C'est bon en tout cas. Bon, de toute façon, je veux savoir si la situation est rendue au calme. La situation est-elle calme maintenant? Au niveau de Lubumbashi, de la ville, quand même, c'est calme. Mm. Ainsi aussi à Makolongulu, là, tout près du camp, c'est calme. Nous attendons un peu à l'aéroport, c'est là où on a dit qu'il y a encore des instruits là-bas. On attend l'aéroport, c'est là où on est en train d'entendre des bruits, des balles par-ci, par-là. Mais la situation est un peu calme et sous contrôle de notre armée. Ok, merci beaucoup mon ami pour ta contribution. Les amis, là, c'était un compatriote, un témoin oculaire à partir de Lubumbashi, dans le Katanga Kamikuba. Alors, on va nous donner un peu la situation sur place, sur terrain, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a tellement trop de trucs sur WhatsApp. Nous voyons dans tous les sens, dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de réagir, ils envoient les images, les audios, les gens se parlent entre eux, par rapport à la situation de Batakatanga, mais les images que je viens de voir, en tout cas, ne sont pas très bonnes. Je vois les gens en train d'être lynchés, c'est pas intéressant. Je voudrais pas balancer ça, c'est très mal. Vous allez voir des gens lynchés, des gens par terre, Bakoufi, Bakissi, Naloketou, mais là, ça sert à rien de faire tout ceci. Pourquoi commencer à une entreprise qui va échouer? Pourquoi commencer une guerre et ne pas aller au bout? Pourquoi ne pas faire comme Bakivoussi? C'est-à-dire, Babandi, guerre, maintenant, il faut faire attention. Awa, Bozuba, Nabatou, vous voulez sauter en public et puis ils se laissent tuer. Hein? Ça vient comme une boucherie, une occasion de faire tuer les gens. Oh, il y a une image qui vient de sortir là. Une image très mauvaise. Donc, on a coupé quelqu'un avec une machette. Bota photo, Anna. Ah, ça c'est très mauvais. Je vais voir si je peux download l'image. Mais c'est une très mauvaise image. Hein? On vient de couper quelqu'un dans les dos là. En tout cas, avec machette, c'est pas intéressant. Donc, cette personne-ci ne veut pas vivre. Ce sont les jeunes gens qui se font tuer comme ça, qui se font blesser inutilement et gratuitement. Ça vaut pas la peine. Vous voyez, ces jeunes gens ici, on l'a coupé des machettes partout. Il a été... Ah, oh, non, ça, c'est pas bon à voir. Bah, Katie m'a beaucoup na machette. Bah, Zoxie na Mokongo, ma Kelozoui m'a sûrement au Koufakaka. Na mon nez, mouton Koubikate. Je vois pourquoi. Alors, la question qu'on se demande, qu'on se pose, pourquoi Bilo Kaboy? Yeah, bonjour la famille, bonjour groupe. Isa, attaque au salami de l'on à 5h, puis jusqu'à 7h du matin, attends, on a zolo bao. Il y a un peu de coups de feu à Lubumbashi, oui. Kibembe, naba coin comme Soussou, il y a des. Bakatakatanga, naba arme de guerre. C'est pas possible. Arme de guerre.
Alors, c'est un peu grave, étonnant. Pendant moment, Joseph Kabila, au bateau, va dégonner à Bangoua, Zakuna, mais l'eau, nous sommes où tu vas pipé, bah où tu vas pipé. Vous avez vu comment les Katangé, les Bazarak, tu n'as pas ça va bien, mais bah, on a été, parce que déjà, renfort, ils ont où tu as déjà Kishasa, là-bas, hélicoptère de guerre, hélicoptère bombé, ils ont où tu as Kishasa, calamité, ils ont comment tu bombes Chouana. On va tous les arrêter. C'est très grave, on image à chaque minute, à chaque moment. Ok, les amis qui nous balancent les minutes à chaque moment, à chaque minute, ça c'est bon. Mboka Chantal Azali, moi na mboka ya solo solo. Allez-y. Ya mboka penza na RDC. Na pesi mbote na bato tu baza ba congolais. Na fingi buzoba peki zengi na moto nyonso tu aza rwandais azo landangai na nzela. Oyo ayiba groupe ya IDPS akoti awa na nzela ya koyiba ngai le grand combattant na lobby yango tufi na bino tufi ya Kagame. Ok, wana muta ufinga Kagame ana halbol mutu na mutu ana education na ye. Alo zami, soki bokuti na group na biso WhatsApp mungumana ba image wana les images ya mutu ba kati bazo kisi. Je ne sais pas balancer ça na YouTube pour n'aller en avoir deuxième problème na YouTube. J'ai un problème avec YouTube. Je ne veux pas avoir un deuxième problème. Des images hyper sensibles. Alors, ça laisse à désirer. Bon, comme on a wana. Alors, ce que nous savons, c'est que à Lubumbashi, Lubumbashi est sous contrôle maintenant. Force armée congolaise, bas sous contrôle Lubumbashi. Mais sinon, image au Yehuti Kokoya, il y a un de Gonabi sur Lubumbashi, c'est devant la maison de John Numbi, où ils ont encerclé. Il y a aussi sa maison, il y a la ferme, il y a beaucoup de choses. Alors, Papa Jean Moutou a dit, ces gens sont tout simplement sacrifiés par ce démon de Gédéon Kyungu en complicité avec John Numbi et Kabila. Papa, vous en avez raison. En tout cas, honorable, il y a un en tout cas, je pense qu'il y a un il n'y a pas autre chose. Donc, Awa FARDC et s'est développé Makassi, et s'est déployé Makassi dans Lubumbashi. C'est la même image qui est partout, dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les, presque toutes les pages de Twitter. C'est la situation à Lubumbashi que nous sommes en train de voir ici de tout près. Selon d'autres témoins oculaires avec qui j'ai parlé sur place à Lubumbashi, bon, comprendre que Isa Makambo, Yamabe, Mingi, Makassi. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que Bazakocha, Gédéon, Kyungu, en avant-plan, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que il faut rechercher Gédéon, Kyungu, ou Azach Fugitif, comme on le dit. Alors les gens font des sales besognes et puis ça tombe sur Gédéon. Gédéon, malheureusement, a commis bouc émissaire. Ndouyango, Banakopaka la beurre, comme les Kenois disent, Mambote ou Tafouane, et Toronto Mujinako. Boye koloko mkashetia kwe kala to kimia. Ifote pa, achak mwa ki ima violence, bakuta yewewe. Wota kwa na problem. Donc, abata kwacha. Si se le problem, malheureusement, njouvle bi gounenda. C'est là où c'est en train d'aller. Parce que selon l'article, ebele oza kwa kwa ya awa. Eza, kwa kenene nenge wana. Donc, ça va s'accentuer de plus. Parce que le Katanga, c'est une province certes prospère, mais Bakatangé, bazar est que tu disais à tout moment pour la bitumba. Bon, maman, nene nkolo, nenge papa kadio malo baka. Nju tu yabu konvi yon tumba katomiki. Mbam tumba kumbane. Mangamorsa mabudu ba tindio katangé kende bunda. Nde ba tindra Théodore Roy kende bunda. Ça montre que le Katangé est guerrier, il veut se battre à l'ingé des autres à tout moment. C'est comme ça que, ba instrument, nse pe ba msousou, voyez que, ba faut attention, oyo. Très déstabilisateur à l'interne, ça vient du Katanga. Oyo, bah, problème y a estem, et ça exogène, comme j'ai toujours expliqué. Ça, c'est une querelle endogène. Et aussi, il y a quatre nabisomo kaka. Comment voulez-vous que Batona Kimbembe? Kimbembe, ce n'est pas une frontière avec la Zambie, ce n'est pas une frontière avec la Tanzanie, ni une frontière avec l'Angola. Kimbembe, c'est en plein cœur de Lubumbashi. C'est quand vous quittez la ville de Likasi, hein, vous dépassez Kapolowe un peu là, c'est là qu'il y a Kimbembe, à côté d'une grande, un grand cimetière, je voulais dire. À Kimbembe, les gens sont à Kimbembe avec des armes lourdes. Nana pesi bango ba arme wana. Donc c'est un problème endogène. Et ça va tout babou mangi mando qui est à l'interne, qui sont en train de les utiliser. Selon Batou Bélé, parce qu'au centre-ville de Lubumbashi jusque-là, beaucoup de bruit des balles. Et bah, crépitement des balles wana, et ça va armes lourdes.
Hein? Bah Congolais, bon, ils ont quand même vécu suffisamment la guerre. Bah, ils tirent à Kalachnikov dans les lacs. Bah, ils M16, BP, armes lourdes dans le PKM dans les lacs. Hein? Bah, rafale automatique. Wana. Donc, bah, tout wana, siko, ce qui est défaudé, qu'on se demande, ils ont eu ça où? Ce qui est très mal et très mauvais, ce n'est pas mon souhait, c'est que Joseph Kabila, John Numbi, ils sont dans les collimateurs pendant ce temps ici, de la communauté internationale. Si vous voyez les Blancs lâcher l'affaire John Numbi, Chebeya, c'est Numbi plus qui est accusé, hein, parce que avec tous ces gens-là qui sortent pour témoigner, pour ça, témoignage, ça prouve que Mundele Alingalia Moto, Nakan Kabila. Alors, je ne sais pas par qui le malheur entrera. Alors, on est en train de se dire finalement que les armes qu'on a aujourd'hui, qui sont à la ferme, il y a John Numbi, Ndeyangouanate. Vous avez vu cette troupe-là devant la maison du général de John Numbi. Vous avez une image en audio, vous avez une image en audio. Un frère parle dans l'image, tout le monde a audio, n'a beaucoup de gens. Bonjour, tout va connecté. Papa Jean Moutala, Papa Jean Moutala, Alain Bachama. Bonjour aussi à Aouiva Chimanga. Bonjour à Flavio King. Bonjour aussi à Zainab et tous les autres qui sont connectés. Alors, on a reçu un élément de bonheur qui a été fait dans la vidéo. Général Azo Matai Moko. Bon, on a dit que tu es asa huyu yeye anakimbia paka hata na bunduki. Eh bana chofai kumbele. Ah, bala toka kule. Bote vile waenda kula wako na kintu kule waenda ngari. Bala kwa bote huko. La ville est calme, calme. Sur terrain dit, c'est quoi ça? Steven Doua. Général Yohana, ba contourner bango tunda kwa Numbi. Boki nda kwa Numbi. Ba komi matabo isiko ipana biso. Tozana mukili. La ville est calme. General Azo Matai Moko. Boa wanaanza kutukuyo kuyulo. Asa huyu yeye anakimbia paka hata na bunduki. Eh bana chofai kumbele. Ah, balatoka kuli. Bote vile waenda kula, wako na kintu kule waenda ngari. Donc la situation maintenant est calme, Lubumbashi est sous contrôle des forces régulières. Il y a eu un déploiement très sérieux de l'armée congolaise autour de la ville de Lubumbashi et ses environs. Donc des ordres ils allaient sous. Il y a plus des ordres comme il y en avait avant. Ils ont contrôlé principalement les ronds-points Carrefour. Ça, c'est à Carousel. Hein. Bonjour, Anane Choma. Tu viens de nous rejoindre. Alors, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le Katanga Kamikuba. Donc, il y a eu des ordres présentement à Lubumbashi où il y a eu quelques incursions des Bakata Katanga. Ils sont là. Là, c'est les ronds-points pour les gens qui connaissent bien Lubumbashi. C'est le Carrefour. Du Carrefour, ça, c'est. Les petits ronds-points carrousel hein, qu'on a connu de tous les temps, quand on vient de l'aéroport ou de l'université de Lubumbashi, ça c'est au Carrefour. Au point carrousel, alors Nde Esika Makamon Zakoleka. Alors, en marge, il y a Makamonion, c'est l'équipe Bandeko, il y a des images, il y a ma bé, Bakati Batou, Bapapi Batou, Batoboli, Otnobanzotro, Machette. Cette culture que nous n'avons jamais eue en RDC, malheureusement, ça vient des lures de missiles juste dans notre coin. Malheureusement, c'est malheureux, certes, mais pff, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, violence, hein, quand vous calculez les choses, mais les conséquences, vous ne pouvez pas les calculer. En tout cas, dans tous les réseaux, aux Araka, image wana oyo ya makamo ekolera na katanga c'est dégueulasse, ça laisse à désirer. Ko moi ce qui m'intrigue un peu et puis qui m'énerve, c'est les jeunes gens qu'on recrute au nom d'un leadership tribal. Bolati bango bizabango c'est la msalate na na image mususu. Je voulais pas balancer ça mais na chango kaka, je pense bien que image na WhatsApp na télécharger ngo. Bon, moi na ke ya des jeunes balati ba kisi. Bah, Koufi, malheureusement, ils sont morts. Pensant que Kissi Wana est protégé Bango. Et puis après, quand on les récupère, bah, tabasser Bango sérieusement, vous allez voir que Kissi Tamango est sous la tinaté. Pour quelque part aussi, soldats congolais, au moins, ils ont appris la formation. Ils ont vu que
pour na bon moto wana bien il faut na sala boy il faut na bon sa arme na sa makolo pour e beta pour e ratete. Voyez nous tous étant de la même souche il y a différence au sala guerre na mondele bilo wa mai mai wana c'était fait pour na mondele tandis que au beta masa seko yate pour faire une résistance hein, un peu contre les blancs c'est pas contre biso na biso ba noir non entre les noirs ça ne marche pas. La moto na yo nga pena na moto na nga, vous voyez, ça ne marche pas. Bozo mon a par exemple okay, je vais arrêter là-bas, je vais parler avec les matchs trop loin. Bon mon moto wana bande ko na kufi bana se bakoyi. En secret par la les forces armées congolaises. Ba beti bango kufi, ils ont leur fétiche dans les coups et dans les hanches. Les fétiches n'a pas marché. Bizaba abitumika ketena, bizaba bishakuisha. Bizaba bishakuisha. Vous savez, la force bon, du fétiche africain marche. Quand toi, par exemple, tu es chef coutumier, tu veux protéger ton peuple. Ou utiliser bah, Kissi pour Simba. J'ai un exemple terre à terre. Il y a un moment de la vie, Mobutu avait un problème avec les chefs coutumiers Kalamba de Kananga. Alors, Mobutu avait dépêché un avion à Kananga pour aller couper Tabatoua Fimbokuna. Alors, les Kassaïens étaient au courant que Mobutu venait. On a appelé les gens, ce qu'ils appellent les Chota. Ils ont fait une réunion là, rapidement, là, coutumière. Ils ont invoqué, Koko na bango. Avion Mobutu, on est à Emona aéroport, avion Zongakin. On a dit, qui si c'est la rapport pour protéger Mboka. Vous voyez qu'il y a chaque pays, chaque territoire africain, ils en ont mis là, qui là. Yango, tango ba ouma, les camounansa pour bazo qui retourne na bango. Parce que, ba pouvoir mourir ancestral, nzamba, pesa biso, juste pour nous protéger. Pour la bloc, on va faire ça. Ça veut dire que, ok, on soumet la question, on l'attend à Kingo, on a fait un masse et on a fait. Pendant que ton chef a un poteau, a roulé un hamburger, a un calme. Vous voyez que l'Africain, il faut qu'on la mouka, il faut éveiller de conscience. On comprend que mon soukaye le discours, on a un roukosa yo. Attaque au chicha boule, il veut faire te tuer pour rien. Tu vas mourir pour rien, 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 rien. Pour moi, les bandes de quoi, on va koufi. Ils sont morts pour rien. Ma image là au Koya, sur au Koya. Ma image là au continent, sur au Koya, je pense bien. Image Moussousou. Ma image là au Koya, sur au Koya, par rapport. Il y a événement Oyo. Il est au Koya, sur au Koya. Oui, il est à Flavio King. Il est 1h26, oui. Moi ici, oui. Je suis à 1h26 à Houston, oui. Nous sommes à 1h26. C'est une nation qui est tellement préoccupante. On a voulu en faire un petit numéro un peu moins direct. Pour, heureusement que je suis pas allé au lit avant, parce que nous avons, mamali, les mots, les bandes, moi, on a moutou qui zate. Donc, il fait froid dehors, de manière que même lundi, mardi, il y aura pas d'école aux États-Unis. Mali, mouriza, ou salanate, mais on a, pas aux États-Unis, dans la ville où je vis, au Texas, il y a un courant marin froid terrible. Donc, ça souffle le froid, et puis, et tout ça là, qui est banzela, mai ce que ça rend dans Mali wana et ça les glace c'est quoi ce que glace dans là pour s'entraîner ni tu vas nulle part c'est un peu tout est semblé être un peu bloqué c'est pourquoi j'ai le temps de faire ce numéro à 16h ici. Ananacho m'a dit je suis peiné de constater qu'une certaine négligence de la part des agents de sécurité car hier la nuit une note une de notre sœur nous avait alerté par les billets de la famille. Ok. Merci beaucoup pour ton information. On nous signale qu'il est 9h27 à Cape Town en Afrique du Sud. Alors nous sommes en train de voir comment le temps est en train d'aller. Le temps est un peu de se reposer. Et puis je pense qu'on va se retrouver demain. En bref, Bandeko, les situations de qui n'est pas en jusque-là. Alors nous sommes ici à Ekoïté. On a vérifié un tour avant de les séparer. Information nous sommes sur Ekoïté vraiment de manière. Direct bon c'est toujours l'information de Bakatakatanga nouvelle incursion de Bakatakatanga c'est la même information moi je sais que dès que tu la moque lobby l'information sera déjà avalée par autre chose Congo est plein d'activités vous voyez tout ce qui est passé de bon dans la journée et l'autre Bosaniango bah inauguration bah bus toutes ces choses là on les a oubliées tout le monde se focalise sur quoi de Bakatakatanga vous voyez un peu il fallait qu'on se focalise à autre chose tout le monde a oublié situation où il faut salima par rapport je pense bien il y a Bandeko Oyo il y a Moïse Katumbi a fait quoi encore qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait encore je vois un truc là sur Moïse Katumbi bon ça c'est la messe
des caméras. Nous savons que ces gens demandent à ce que à Batikaye, selon Mango, substance est vide. Ok. Tout est au contrôle. Ça, c'est des 27 minutes. Tout est au contrôle. C'est bon déjà. Donc, on va bien dormir. Oh, Jean Moutala, il est 7h27 à Londres. C'est bien, mon compatriote, pour la précision. On veut un peu partager les heures à partir de la part du monde où vous nous suivez. Mais à ceux qui sont en Afrique, ils sont inda pour Afrique. On est en monde à Batebele. Quand les gens nous diront à quelle heure ils sont, ils nous suivent à partir d'où. Oyo Eza, notre chaîne tampon, Studio 24-3, juste de manière à réaliser l'émission, car bisous, tu enregistres l'émission, tu es au zone, tu es le montage, non. Nous, on vient en direct. C'est ainsi que tu es en direct sur une chaîne tampon pour rediffuser un peu plus tard. La chaîne Moussousou. Alors, tout d'un homme, on a la situation était tellement très tendue. Dieu merci, nos militaires ont maîtrisé cette triste situation. Mais sinon, la situation est redevenue au calme. Tout évolue au bon train. Donc, la circulation est redevenue. Mais quand cela ne tienne, nos militaires sont en train de faire les patrouilles dans toutes les avenues sur industrielles. Et donc on a eu à assister à un mouvement très pire. Hein. Je fais les superlatifs absolus. Le mouvement était très tendu, mais Dieu merci, tout est redevenu normal. Merci. Ça, ce sont nos compatriotes qui ont parlé à partir du Katanga. Katanga Kami Kuba, il nous explique qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ce qui est bien, c'est que maintenant il y a beaucoup de témoignages. Les Congolais disent que la situation est devenue normale, mais il faudrait qu'on comprenne l'ampleur y a Takoy et Otuapi. Qui leur a donné les moyens? Question nanga ezaka owana. Qui a donné les moyens au Bakatakatanga y a Kukoya ba arme lourde? On sait que c'est un mouvement rebelle. Ils n'ont pas ba radio, ba la ba avion, mais on se croit ba zui ba moyen wana wapi. C'est là il faut que l'armée congolaise ait tiré attention mingi au lieu toujours y a Kuyaka. Il faudrait que base la na politique à prévention que mboka katanga et la passoire te mutnyo sa otaka na zamba boye akarbiko ko beta pendant boye que c'est quel zamba dans là où ils sont la forêt attaquable donc ce que ça banzete oningisi banzete ce qui bazana matiti otumi matiti wana po amima to la son de ko ce ko animage a représenter témoignage na une situation comme calme je pense que wana to se séparer pour ton lobby to examiner situation je pense que là tous en éléments nyoso pour j'ai un reporter hasard en stand by je pense bien à cause de la retour yandako général Numbi parce que son nom est entre parenthèses hein bah c'était un peu trop alors on se demande est-ce que c'est pas par rapport à bénévolement ou dernier 24 heures comme la communauté nationale est montée au créneau par rapport il y a ko kangaye ko reprendre procès il y a chebeya pour pouvoir aussi vous dire que na niveau ya cour pénale internationale va changer bato donc on a les choses ont un peu changé là où Kabila azaki na entrée ba entrée za souti parce que Kabila protège tout son clan les noms mais tout ça ba tu as clan Kabila pour vous dire que niveau ya cour pénale internationale il y a un monsieur Karim Kam az anglais il y a un gars qui s'appelle Karim Kam aux anglais où il a commis procureur à remplacer à Fatou Bensouda. Voyez, ce qui fait que nous avons Kabila pour que abomele moto si vous êtes à monsieur Karim Kam, maître Karim Kam, toi as suna deux vice présidents moko en tout cas moto ya Canada à Robert Kiss Rai et puis toi as mususu à maître dans à moi si Katerina à second Sova moto République Tchèque donc fait Bansouda a sauté côté na et na au niveau CPI va remplacer Bango donc prosecuteur au a remplacé Fat Bansouda à la moto Royaume-Uni moto Angleterre donc maître Karim Khan et puis à la secondé na maître Robert Kitts Rai na maître Katrina Senkova yo ya République Tchèque donc ma mokoni changé c'est que Kabila soki a savait que le ming il faut bander la sous le ming ndé ma mokonta rassure mon kanya ko pesa mindele so va changer bango ba ke na masolo ba to musu sika ba koti il faut scolier sa bango le susu po masolo le tambola malheureusement le monde est comme ça par les bakata katanga la situation était tellement très tendue
Dieu merci, nos militaires ont maîtrisé cette triste situation. Mais sinon, la situation est redevenue au calme. Tout évolue au bon train, donc la circulation est redevenue. Mais qu'à cela ne tienne, nos militaires sont en train de faire les patrouilles dans le pays. Il y a des couilles qui sont en ça montre que ça tire, hein, ils ont cuivre. Moi, douille, bleu aussi mais balé wana, ils ont badouille. C'est que quand on tire une arme, bleu aussi que la rawana nde babengaka badouille. C'est qu'il a entre ses mains. Et donc on a eu à assister à un mouvement très pire. Hein? Je fais les superlatifs. On est badouille, nous sommes en Angola. Il y a beaucoup de balles. On est balles bleues en Angola. C'est beaucoup de balles qui ont tiré. Merci. Des badouille, on s'en est wana Angola beaucoup donc. C'est pour vous prouver qu'il y a eu vraiment des tirs nourris, bah, tirs et armes lourdes. Wana, les autorités congolaises, je vous en prie, il faut vous expliquer biso, comment ils ont tiré avec les armes lourdes, ils ont eu où, chez qui et quand. Si vous ne donnez pas la réponse, c'est que vous devez démissionner, vous avez échoué de votre mission. Parce que l'État n'est rien. L'État a rien dit là-bas, là, excuse, il faut avoir les excuses, il faut avoir une intelligence infonctionnée. Ce qui est acquis à Kabila, bonjour, Tassika. Oui, c'est ça. Ceux qui sont tous corrompus, à l'éveilleur, bonjour à tous ceux qui pour votre service de sécurité et Simba. Mes amis, bonjour, au revoir et à demain. Pour les amis, hein, Moukema, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à nos deux chaînes YouTube, Africa TV Network et les studios 24-3. Sous à cette plateforme là, nous apportons des interactions de qualité. Beau s'abonner, beau cliquer cloche de notification comme ça, dès que je suis en ligne, vous êtes en mesure, il y a comme on a une vidéo.